Voilà. Nous avons une quatrième édition. Vous avez fait deux voies faciles. Vous avez fait deux fois. Vous avez fait une obélisque. Parce que nous avons fait une ligue qui est là. Donc, nous avons un coordinateur, un ONG, un ONG, un USAID. Donc, c'est un coordinateur professionnel dans la commune. Donc, les deux dans la langue de ce qui est là. Nous avons fait les gens qui ont un comité de surveillance. Le comité de surveillance, nous avons fait 6 heures du matin. Wa face dañuy jog ay 7 heures du matin parce que kon lutax ñu def colobane 6 heures du matin parce que fa la car yi di wacc xalé di yelwaan ñun suñu commune degi ku dëkk ci commune bi yelwaana tu ku yelwaana ya nga joge ci ci ñew di yelwaan ci biir ci fi biir commune bi bo leen laaje fan ngeen joge ñu lay wax yenen ay yenen ci cité mais du fi ci commune bi ñong koy sante yalla diko sante yonent bi lepp nak ak ndey daara yi ak suñu monsieur le maire bi nak suñu ginaa muy Ousmane Doye jappalé ñu may ñu autonomisation ñu ci liggéey bu baaxa baax ba suñu réunion maire ba suñu dajé maire ba suñu collecte maire ba li ñu dajalé ñi ndey daara yi rek ñoko collecte té xép nañ ko bëgg nañ lu ëpp li wax dëgg yalla jappalé daara du lo xamantene ben bëss la du ñaari bëss c'est à long terme donc nak ñun ñu ngi ci parce que ay yaay lañu ño wara jappalé xalé tout temps que dekkul ci mbéd mi ci biir kër la nak lool lañuy xex ñun mo ngi nak ci lool diko xex akametti avant ñu yex fi nak metti na lool ñu invité nak suñu morom commune yëpp ku bëgg ñu defal lu mel non ñu ñoo wax la fi ñu jaar ba yex ba fi waxu ñu yemalé ko ci commune yi ñu nekk Dakar mais même ci région yi bu ñu laaje ñu nañ lox fi ñu jaar ba yex ba fi c'est à long terme nak pour nga yex ba fi dafa metti lool ñëpp ci japp nak bajé ñu gox ndey daara ñoo bokk diko liggéey suñu commune wax dëgg yalla li dal tay chaque année dañuy def ñaari daara yi doon yel waan 19 lañu won mais ñu bari daw nañu ndax ñun liñ koy xex suñu commune légui ñaar mo dess ben bi 20 talibé la dessé ben bi lim dess ay 30 quelque la dañu togg ay ñam sa di leen ko yobbu fu bëgg ñu noppalu tabaski dañ leen di jox xaaliss korika dañ leen di jox xaaliss tam xarit la même chose pour xalé nek à l'aise lélé dañu togg ñu ndey daara yobbu leen pour ñu noppalu donc waaw hein pour ñu baña yel waan ñu yel waan bi lañ fi bëggul wa légui ñaari daal ki dafa joggé ba jollof ndax mom day togg sax añ buñ koy ñëlé añ dana bo leen télu indi añ bi dana fekk ma togg ba paré koku il est à l'aise tout récemment dem nañ di seen xalé ñu ngi leen fekk ñu añ bay siès xam nga xalé ñu ngi nek à l'aise ay habillement ay dents yépp lañ ngeen koy jox pour rek ñu noppulu wax dëgg yalla day metti suñu xol da fay metti suñu xol lool ka yu mel non da fay metti suñu xol té ñun bu doon suñu sago commune yépp def ñu ñun non ñu moto ñu invité commune yi def ñu ñun région yi def ñu ñun bu yagge yu fi dina jeex ci Sénégal yépp ñun dañ ñaan yalla mañ sa jeex ci Sénégal wax dëgg yalla té itam bo gisé lu melni parents yi gisoo du ben doomu Dakar bu yewal waan ñoo leen indi ñi yow yalwaan si am ci profil nak ci serigne ba ci tapa ay étage xam nga lool c'est pas normal dañuy exploiter xalé yi ça c'est pas normal ah lolou mom jaddu ndax jangale ak door bokul ñun yoy yep ñu koy xex ñun suñu ndong ñun liñ wax suñu serigne daalé ñu nga né tok duñ doolé dañ ñen ko téré ñun motax ñu invité commune ñu def comme ñun bu yagge mu jeex bu yagge dana jeex wax dëgg yalla té ñun dañ ñaan yalla Sénégal benn xalé baña nek ci mbéd nak ñun bëgguñu ko ñun nday ndax yaay mo jur buñ ko gisé suñu yaram day daw wax dëgg yalla merci beaucoup. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme heureux parce qu'on avait un objectif depuis 4-5 ans et cet objectif, nous l'avons atteint. Parce que l'idée majeure, c'était d'arriver à éradiquer la mendicité dans notre commune et de former les talibés autrement et d'aider les maîtres coraniques à mieux améliorer leurs conditions d'existence et de travail. Alors aujourd'hui, je peux dire qu'à 90%, il n'y a plus de jeunes mendiants dans notre commune. Les jeunes mendiants qui errent ici le matin viennent en général de la banlieue, ils débarquent à Colobane. Et nous avons une brigade de surveillance qui les déroute le matin, de sorte que dans notre commune, très peu d'enfants sortent et c'est nous-mêmes qui les organisons parce que ça fait partie quand même de la formation du talibé. On leur permet à certains daras de se lever le matin et puis de le faire le soir également. Mais sinon, dans la journée, c'est l'école. Nous avons également réussi à leur apprendre à parler la langue officielle du pays. On leur apprend à compter parce qu'il y a des jours où ils vont à l'école, en sus des cours coraniques, ils vont apprendre du français.
Il y en a d'autres qui ont un certain âge. Nous les formons enfin, deux fois, trois fois par semaine dans des ateliers qui se trouvent dans la commune pour qu'ils apprennent le métier. Donc c'est finalement, moi je suis très heureux parce que ce que nous attendions, nous l'avons presque atteint avec très peu de moyens. Et nous sommes une espèce de tache d'huile parce que Guédiawaï nous a emboîté le pas. Bon, nous y étions avec Medina. Aujourd'hui, il y a Guédiawaï, il y a Gnaouraï, je crois, qui ont décidé de faire comme nous. Et puis avec l'appui de l'USAID, qui, il faut le dire, est le principal bailleur, à part la mairie qui appuie derrière. Et aujourd'hui, cet appui-là que l'USAID apporte à ces gars participe de l'éradication de la maladie. Absolument, c'est parce qu'avec ces moyens que nous arrivons à moderniser les daras. Ce n'est plus les daras qu'il y avait avant. Il faut faire un tour, vous rendrez compte qu'on les a, on a changés. Et puis quand on les change en relation avec les maîtres coraniques. Nous mettons l'argent à leur disposition, nous surveillons ce qu'ils en font avec les entrepreneurs qu'ils auront choisis. Allez sur les lieux, vous verrez. Nous leur donnons des émoluments également. Nous les aidons en denrées alimentaires pour éviter que les enfants sortent et que les maîtres coraniques sont très satisfaits de ce qui se passe. Et ça, vraiment, je suis un homme très heureux parce que l'objectif qu'on avait visé, nous l'avons atteint à 90%. Donc je vais demander d'ailleurs à l'occasion à l'USAID de prolonger le parce que c'était, on était en fin de parcours. Hein, on leur va leur demander de prolonger le mandat. C'était depuis quand le projet? Depuis 5-6 ans. Wow. Man tay de me bec parce que projet bi da fay projet bo xamné bi liñ ci jogé won moy xalé yi buñu jang nañu yam ci jang mu leen mëna yok mais buñ leen tek ci mbéd mi ñu yelwaan lu nekk mu leen ci fekk ñu def ko ak USAID ñu di ci jappalé maire bi di ci def moyen ba tay ji mëna ñu wax né ci juroomi at yi nga xamné ni def nañ yeuf yi liñu am ci ay daara ñaar fuk ak ben la. Ce qu'on a dans les ndongo dara jigéñ na 300 mais tay ñi nga xamé ñoy yelwaan matu ñu 30 té ñoñu ñun ño leen di encadrer ñun ño leen di parce que ci njang mi la bok do gisé ci gox bi fi ñuy yelwaan dekk ñu fi dañuy wacc fajar ci marché Colobane ñun am nañ brigade bo xni fajar fa lañ leen fekk dama ñoo ñu déruté ko parce que bëggu ñu fi ñu mandié mais lolu aussi dañuy jappalé jangalé katu alcorane bi défaral ko bërebam ba mu jekk di leen jappalé ci dundu di leen jappalé ku fébar ñu fajj la. Xalé yi ñu leen jangal tubaab leen jangal calculer ñi nga xamé am nañu ben at bi bu ñeen jangalé calculer bu samedi wala aljuma ci ngone ñu yobulen ci atelier yi ñi ngay jang menuiserie ñi ngay jang maçon ñi ngay jang donc dañuy contane parce que xalé yi non seulement ñu ngay jang alcorane te deug ñi fi tari légui ñi ngay jang alcorane bu baax mokal ko mais ñu ngi intégrer deuk aduna bi te sori fu ñoo yalwane fu ñoo ñakale seen bop daraja fu ñu leen di toroxalé ak fu ñu leen di neewale doole. Donc lolu motax mané mbékté bu reey la ci am man en tout cas di ci profiter ci moment bi di gërëm di remercier USAID parce que ñoo ci jappalé di gërëm Moussa Ndoye bi nga xamné moy coordinateur projet bi mu ci def li ci mën ta mak la mais jëfa jël leppam def ko ci projet bi. Donc vraiment je suis très satisfait man mère bu contente la tay. Merci très satisfait. Merci beaucoup. Aussi, je suis avec les Dara, je suis membre d'un Dara où j'ai grandi, j'ai tout fait dans ce Dara, c'est pour cela que j'ai intégré. D'accord. Parce que je connais ce milieu. Et quel est l'apport aujourd'hui de ce projet-là pour les Dara? Ce qu'a apporté le projet, c'est un autre paradigme aujourd'hui qui est nouveau. On est allé vers les Dara pour tout de suite leur demander ce qu'ils veulent. Au lieu de dire voilà ce qu'on va vous donner, non, on est venu nous demander ce que nous voulons, ce qui est très rare aujourd'hui. La réussite du projet à Guelta Pascolabat, c'est le seul clé. Le projet est venu vers les maîtres coraniques pour leur demander ce qu'ils veulent faire. Alors, en première, c'est l'hygiène dans l'espace où sont les enfants, leur santé en deuxième, et en première, leur aider dans les denrées. La santé des enfants, les bucco dentaires, tout ça, c'est ce que le projet a apporté dans nos Dara aujourd'hui. Et donc pendant ces 5 ans, vous pensez que ce projet a été bénéfique pour les Dara? Non, c'est très très même bénéfique. Aujourd'hui, cette cérémonie organisée est une première dans ce pays, la journée du Talibé. C'est très clair, ce n'est pas une autre activité que vous êtes venu assister, c'est la journée du Talibé que nous sommes venus
passer avec les enfants, les talibés, les lycéens à côté et tout. C'est tout juste pour faire comprendre à ces talibés qu'ils font partie de nous. Et c'est une moitié que nous aussi nous devons cette journée pour le fêter avec eux. Nous avons dit que nous avons dit que kon projet bi lolou def indi te li ci gëna am solo moy dañu ñëw ñu lan ngeen soxlo lu ngeen itté wo ñun leen ñun li lañu soxlo moy ciet gi moy daara bi am ndox moy daara bi am lumière moy xalé yi seen walu wër gu yaram donc ñun bu ñu ñëw laaj ñu ñun lu wax leen lañ lañ wax ñu and ak ñun ci domaine yoy ñu la wax yépp ba tay ji daara bi amul ku fa mënul dugg tok wax ak xalé yi ndax li lay gëna frappé moy fi est ce que daara la te xeyna ak jamono man ngeen ñëw def visite xolal sen bop ndax télévision mom lu mu fa fek rek lay indi té lool daara yi nek ci commune bi yépp la waaw xam nga ci commune bi nak dafa am 21 daara mu am 3 rek yi ci am particularité def bande cité bañuy commencé li loolu yalla def na tay ñett yi ko doon def buñu nekkon ñetti téméré xalé fanwer fanana ñu fi yu yalwaan liñu may loolu maire bi wax na len ko moy xalé même ñu ci am tuti katane dañ leen yobbu sax ñi leen jangal métier di leen jangal français pour que ñom ñu xamni ci lañu bok lool nak projet bi lool lañu apporter wax deug yalla projet bi baxna ci ñun bu dolé ñu jël merci allez je m'appelle Mam Gor Diouf, je suis magistrat secrétaire général du ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants. Alors quel est l'intérêt que ce département, le ministère de la femme, de la protection de l'enfance, accorde à ce genre Je vous remercie. Le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants accorde une importance capitale à ce projet communautaire de prise en charge des enfants talibés, mais également d'interdiction de la mendicité sur le territoire communal de Fass-Gueltapé-Colobane, donc initié par la mairie en partenariat avec les acteurs communautaires, mais également avec l'appui de l'USAID à travers l'ONU-DC. L'importance que le ministère accorde à ce projet est liée à trois dimensions. D'abord, ce projet s'inscrit dans les missions du ministère en termes de protection des enfants vulnérables. Le deuxième élément est que le ministère a en charge le vaste programme de prise en charge des enfants en situation de rue, notamment les actions nécessaires pour leur retirer de la rue et assurer leur réinsertion. Et ce projet constitue une expérience pilote qui a été déroulée avec des résultats satisfaisants, magnifiés par tous les acteurs. Le troisième élément d'importance est lié à l'implication des collectivités territoriales à travers la ville de Dakar, mais aussi et surtout la commune de Fass-Gueltapé-Colobane, où nous avons noté que les élus locaux se sont mobilisés avec les acteurs communautaires pour mettre un terme à la mendicité des enfants sur le territoire communal. Cet exemple mérite d'être salué, vulgarisé, capitalisé et élargi au niveau national pour que toutes les communes du Sénégal s'en inspirent pour avoir des communes sans enfants en situation de rue. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette initiative fasse aujourd'hui tache d'huile dans les autres communes, parce que le problème de mendicité quand même est toujours là? Alors, la perspective qui résulte de ce projet, c'est d'abord de travailler pour vulgariser largement les résultats, mais également de les capitaliser pour tirer les leçons qui ont permis, dans une démarche communautaire, d'impliquer les maîtres coraniques, d'impliquer les Badianou Gokh, d'impliquer également les Ndeyou Dara et les élus locaux pour mettre fin à la mendicité des enfants au niveau de cette commune. L'expérience est déjà démultipliée au niveau de la commune de Médina, au niveau de la commune de Pikine Nord et de la commune de Diamagan Sikambao. Et sous ce rapport-là,
le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants s'est engagé à accompagner le processus pour l'institutionnalisation de cette expérience et la généralisation progressive au niveau national avec l'ensemble des élus locaux du Sénégal. Ce que nous avons fait, c'est que Mme Ndaye Sally Diop Dien, ministre de la Walu Jigen ni Njabot gi ak Ar Khale yi, nous féliciter et remercier beaucoup la commune Fass Gueul Tapé Koloban, de la maire, mais également le coordonnateur Moussa Ndoye, Badiane Gox yi, Ndeye Daara yi, mais surtout Serigne Daara yi ak Khale yi nga xamné ni dañu lekkolo andando sen bir dem bané dañuy xex li di xalé yi taxawalu ci mbéd bi di yelwan té téguñu ko ci dara lu yanu mana ci lolu jël ay dogal ci mairie bi mais tam ñom ñep ñu lekkolo ba tay da naka xalé bu yelwan amatul fi ci gël tapé Fass Koloban mu nekk liggéey bu am solo bo xamné ni madame Ndaye Sall Diop Dien daf koy rafetlu ndax té dafa bok ci ay mission yiñ ko ciërel muy ar njabot gi rawatina ar xalé yi nekk ci jafé jafé rawatina xalé yi yelwan nekk ci mbéd bi ci lolu nak ñi rafael tam approche bi nga xamné ni mom la projet bi doxal ndax mairie bi daf ci def bay waram communauté bi yépp tam japp ci mu nek exemple rafet bu ñuy rafetlu bo xamné ni dañuy ñaan ñu lawal résultat yi nga xamné ni projet bi jurnako avec appui manam jappalé USAID ak ONUDC projet bi amna ndjeriñ ba nga xamné ni tay ginnaw commune Fass Gueul Tapé Koloban law na ba commune Medina commune Jamagan Sikambaaw ak commune Pikine Nord yene bi nga xamni mom le gouvernement bi am à travers le ministère mo ñu fexé saytu bu baaxa baax résultat yi jangal li tax ñu am résultat yi mën ko lawal ci commune Sénégal yépp ba nga xamni commune Sénégal bo dem duñu fexé xalé bu yelwaan et ci lool ñi ngi rafetlu déjà implication mairie yoy mi wax yépp di rafetlu également présence ak engagement déterminé de la maire de la ville de Dakar bi nga xamni tam engagé wu na pour lawal projet bi ci Dakar yépp non le ministère engagé pour gungaleen pour mu law ci Sénégal na nek espérance dañ ko duggal ci programme bi nga xamne dañ ko lawal te président sante ñuko pour ñu gëlé xal yépp ci mbéd bi déw leen ci seen kër yi ci daara yi wala ci njabot yi wala ci école yi.